C'est quoi? Les fans, comment vous allez? L'info buzz aujourd'hui, c'est de 3 en 1. C'est la magie. Comment ça? Nous allons parler aujourd'hui de Happy Defolan qui vient de faire une sortie. C'est la magie. Mon frère. Nous allons également parler de Noël Kemwe qui vient de Fuck Up de Ndeb avec Papa Kigalina Fingon. Tralala. Oh, wow. Nous allons enfin parler également de Papi de Petit Pays qui est en train de Ndeb très grave avec Cabral Namjib. Cependant, asseyez-vous, prenez vos popcorn parce que ça va chauffer. Ça va chauffer maintenant. Ça va péter. Venez, oh, venez. Wow, venez. Venez, venez. C'est quand une grenouille tombe dans l'eau chaude qu'elle connaît qu'il y a deux sortes d'eau. C'est-à-dire Happy Defolan, te voilà aujourd'hui, tu es en train de cuisiner, mon frère, pour manger. Alors que hier, avec tes 250 millions en banque, tu mangeais dans les super restaurants. Vraiment, c'est malheureux. Happy Defolan, te voilà aujourd'hui qui est en train de faire des concerts dans ta chambre. Alors que hier, c'est à Paris que tu faisais tes concerts. Alors, franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Happy Defolan, toujours Happy Defolan. Toi, que hier, quand tu sortais, qu'on voyait seulement le bout de ton nez, tous les enfants s'accrochaient sur toi comme, hey, comme le Messie. Mon petit, qu'est-ce que tu deviens? Te voilà en train de chanter déjà dans les deuils, les funérailles, les veillées avec les cancan boys. Les mêmes cancan boys que hier, tu les disais que oh, sois les petits, tu es le King Kong du bolet 237. Te voilà aujourd'hui en train de chanter dans les veillées, mon petit. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je m'interroge. C'est le diable qui manifeste. Ils ont fallu même tuer. Ah bon? En vrai? Je crois qu'aujourd'hui, tu essaies un peu de comprendre à la vie. Parce que même nous là, moi qui est mon scénariste, mon producteur, mon réalisateur, mon diffuseur, mon tout, je ne peux pas me placer devant la caméra. Je dis que je nique les artistes. Toi, tu niques les artistes, mon petit. Sa tête, non. Ta tête, c'est les pop-corn. J'ai dit que, mais mon frère, hey. Au lieu, quand tu n'aimes comme ça, parce que les anglos parlent de fuck up, tu n'as pas fuck up, tu as n'aimes. En vrai? Quand tu n'aimes comme ça, mon petit, au lieu de revenir, comme William Seno a fait que, papa, maman, pardon, excusez-moi, pardonnez-moi, toi tu continues à naguer les gens. Sa tête, non. Tu continues à faire les postes que tu es déjà papa n'a conseillé. Oh, ce n'est pas la chute d'un homme. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Mon petit, tu es en train de n'aimer. Tu ancres au fur et à mesure. Donc, tu t'enfonces encore plus. Hey, gars. Au lieu de faire la vidéo, je dis que, ouais, pardon, excusez-moi. Oh, voilà ton manager qui a essuyé les mains sur toi. Mon frère, tu penses qu'un artiste sans manager est quoi? Point d'interrogation. Hein? Au lieu de faire ça, tu es en train de les partager les codes de promo 200% pour gagner machin truc tout ça avec des foulans, avec des foulans. Mon petit, c'est le ndem total. Sa tête ne. En vrai? Tu vas devenir influenceur. Comment ça? Moi je comprends. Oui. Fais-toi seulement les collages vidéo comme nous la monde pour gagner ta life. Sinon les 250 millions là, tu penses que tu peux manger ça en un an? 250 millions c'est quoi mon petit? Quand il faut dépenser vrai. On appelle ça la lecture de l'heure. Donc, quand l'heure arrive à la lecture de l'heure, on ne peut que lire l'heure, mon bon petit. J'espère que tu es en train de comprendre et tu es en train de lire l'heure sur le calendrier. En vrai? Le fils de Paul Biya parle beaucoup. Paul Biya est un... Vous allez voir. Vous ne vous rendez même pas compte que votre buzz de merde est déjà empoisonné. Vous aimez voir avec les yeux. Cependant, paraît-il que il y a l'une des internautes là qui a offert une voiture à Maman à Kingali. Mais avant, je voulais vous inviter rapidement à aller découvrir le complexe Las Vegas qui est situé à Messassi. Au complexe Las Vegas, vous trouverez un snack bar, un motel de 10 chambres classiques, 10 chambres VIP, 2 salles de fête bien climatisées avec 10 climatiseurs dans chaque salle, bien VIP, avec des jeux de lumière importés, les Didier sur place, un espace pour cuisiner, des chaises royales, des tapis rouges, fumogènes, couverts, bref, il y a tout au complexe Las Vegas. Donc, si vous voulez célébrer vos événements, anniversaires, baptêmes, même ceux qui veulent déclarer leur amour
Allez au complexe Las Vegas. C'est trop chic là-bas, les gars. Faites un saut pour voir seulement. Même si vous n'avez pas l'argent, allez seulement voir. Voilà le numéro du responsable qui s'affiche au bas de l'écran. Ok. Comme je disais donc tout à l'heure, maman à Kigali, il y a l'une de ses fans-là qui lui offre une belle voiture. Cependant, paraît-il que maman à Kigali est allée donc prendre cette voiture sans contacter papa na Kigali Fingontralala. Ça a donc choqué papa na Kigali. Il est donc allé sur sa page Facebook faire un post. Abou, vous connaissez Abou, non? Abou qui vient de subir une déception amoureuse et tout. Abou, tu nous as ouvert les yeux. Merci encore infiniment parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous les hommes, on comprend qu'il faut toujours avoir une roue de secours parce qu'il ne faut pas faire confiance à la femme. Les filles du village. Voilà les jeunes d'aujourd'hui, voilà comment vous êtes. Quand je vous parle de la femme ici, que vous franco titre sur les femmes, non? Voilà! Voilà la papa na Kigali qui comprend déjà aussi mieux. Bon, sauf que papa na Kigali, tu n'es pas un exemple, hein, parce que toi, tu avais une go là, un temps, qui pleurait partout sur Facebook. Bon, le gars est donc allé faire ce post là. Ça a donc énervé maman na Kigali, mais le type, c'est une demi-focop ou quoi? Là, le gars fait donc un direct, dit que si je parle encore de toi un jour dans mes ouais, gars, oublie mon nom. Je ne vais plus jamais faire allusion à lui. Vraiment, je vous promets. Vraiment, ce pays vraiment nous déçoit. Il faudrait que vraiment qu'on vende ce pays pour nous partager l'argent. L'heure est grave parce que le Cameroun, c'est un pays formidable. C'est-à-dire, je pensais souvent que les choses se passaient seulement chez les autres. Et elle dit qu'elle va citer qui est parlé de Kyo, sauf papa na Kigali. Maintenant, je me concentre sur mes produits qu'elle vend. Mm-hmm. Je pense souvent quoi, les produits qu'elle vend. L'autisme, pour Kagame et le Rwanda. Hey, laisse les gens. Donc, je peux chier, je pisse sur ça. Maman, la Kigali, non, quand Kigali va venir au monde, tu ne vas pas parler de son père. Ne nous fatiguez plus avec le beurre, c'est. Donc, vous savez quand même qu'entre l'écorce et l'arbre, les gars, on ne met pas le dos, on observe seulement. Je te dis que. Donc, on attend la suite. Bon, la vidéo arrive dans 5 minutes de riz tout à l'heure. Donc, ça va péter. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. De l'autre côté. Bon, avant de parler de l'autre côté, qui concerne Kaba Nandjip et Papi de Petit Pays, voilà, je voulais vous rappeler que pour tous ceux qui sont en bain, qui veulent envoyer des vivres à tous leurs parents ici au Cameroun, quel qu'en soit où ton père, ta mère, en fait, quel qu'en soit où tes parents se trouvent, contactez Easy Market. Easy Market s'en charge de tout. Easy Market ravitaille toute ta famille, même si vous voulez acheter les articles en bain. Contactez Easy Market. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Ok. Voilà. Depuis ce jour-ci, on entend... Ouh, est-ce que vous savez que... Baby Bomb, non, c'est moi qui avais écrit... Le type là a le pouvoir avec. Il connaît la musique où? C'est moi, je suis né dans la musique, grandi dans la musique. Le gars la connaît. Il est entré chez moi un jour, il chantait. Baby Pom, non, j'ai compris que c'était tellement top. J'ai dit que gars, allons directement au studio. Je vais composer cette musique là, tu vas chanter. Wow, 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 aujourd'hui, il m'insulte, il me manque du respect. C'est quel genre de pays? Vraiment, c'est ce pays vraiment nous déçoit. Faudrait que vraiment qu'on vende ce pays pour nous partager l'argent. Et le temps que je quitte le pays, c'est pas possible. Le 237, hein. C'est la magie. Les gars, la vidéo arrive. Papi de Petit Pays clash sévèrement Gabriel Nandjip. Restez scotché. Japap 237, c'est Franco le mignon, le numéro 1. C'est la magie. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.